Comment aider les personnes qui sont soit dans la pensée, soit dans le sentiment pour leur troisième lettre du profil MBTI? C'est ce qu'on va découvrir dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, comme tu as pu le constater, on va voir cette vraiment différence d'aide qu'on peut apporter à des gens beaucoup plus orientés vers la pensée et des gens beaucoup plus orientés vers le sentiment dans leur profil MBTI. Juste avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis à travers la description liée à cette vidéo. Tu découvriras mon parcours, les choses qui m'ont structuré, les livres que j'ai le plus adorés et le matériel que j'utilise pour parler devant toi. Alors, pourquoi vouloir aider et pourquoi pour vouloir s'interroger sur comment aider les profils MBTI? Déjà, premièrement, pour pouvoir s'aider soi-même. Si je sais qui je suis et comment je fonctionne, je peux me trouver des astuces, des outils qui sont beaucoup plus pertinents pour moi. Et si j'observe des gens autour de moi avec qui je travaille qui sont dans la difficulté, je peux leur permettre de débloquer des situations via mon observation et via des astuces personnelles. Pour quelqu'un qui est dans la pensée, il faut aider la personne en cherchant la solution au problème. C'est beaucoup plus intéressant, c'est très important pour elle. Pour quelqu'un qui est dans le sentiment, il faut aider la personne en faisant preuve d'empathie et de soutien. C'est-à-dire, pour vraiment résumer le clair de cette pensée, quelqu'un qui est dans la pensée, il va vraiment falloir être très factuel et s'orienter exclusivement sur le problème, ne pas parler des hommes qui sont autour. Tandis que quelqu'un qui est vraiment dans le sentiment, il faut en fait le soutenir moralement, le coacher, comme on pourrait dire un coach quand vous allez voir quelqu'un qui va courir un marathon, quelqu'un de votre famille ou autre, il vous dit je vais courir un marathon, aide-moi, va m'encourager. Parce que cette personne est beaucoup plus dans le sentiment. Et donc quand tu vas venir, tu vas l'encourager, c'est ça qu'elle a besoin. Pas besoin que tu lui dises comment courir ou comment continuer à courir son marathon. Voilà les grosses distinctions là-dessus. Quelqu'un qui est dans la pensée, il a tendance à examiner les aspects pratiques et analyser les situations de manière logique. Donc voilà, il est vraiment centré sur ce qu'il a à faire. Donc c'est vraiment très important que tu l'aides à retrouver les aspects pratiques, analyser la situation de manière très logique, très carré encore une fois. Tandis que le mec qui est dans le sentiment, il a tendance à chercher à savoir comment les gens se sentent dans cette situation. Ils sont très sur la relation. Donc encore une fois, c'est totalement différent. Coacher quelqu'un qui est dans le sentiment et coacher quelqu'un qui est dans la pensée, c'est absolument différent. Quelqu'un qui est dans la pensée, vous allez devoir le convaincre, l'apporter, l'aider sur des affaires factuelles qui ne dépendent pas du tout du monde. Tandis que quelqu'un qui est dans le sentiment, vous allez au contraire vraiment vraiment travailler sur tout ce qui est à côté et très peu sur le contenu, le fondement technique de la chose parce que ça n'intéresse absolument pas la personne qui a cette lettre, troisième lettre dans son profil MBTI. Voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo t'a plu, t'a permis de pouvoir mieux comprendre le profil MBTI à la troisième lettre, la différence entre pensée et sentiment. En attendant, je t'invite à écraser le petit pouce bleu, partager cette vidéo autour de toi et puis à venir rejoindre la formation gratuite profil MBTI pour découvrir ton profil MBTI et tout plein d'autres astuces que je partage avec toi exclusivement. Merci à toi, passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!